superpowers. Cool. Taken from a comic strip, and now they're Beetleborgs. Jambon de dingo, du fromage de chauve-souris, et pour le plat de résistance, des pâtes de tarentule. Mais j'adore! Et moi qui me demandais où était passée cette bonne vieille araignée. Oh oui, voilà! Je ne pourrais jamais me faire à ce bruit. Et vous? Oh! Écoutez-moi ça, comme je joue bien! Attendez une minute. Ce n'est pas moi! Et si ce n'est pas moi, mais qui peut bien jouer? What? Attends! Mais qu'est-ce que tu fais là? Surprise! Comment vas-tu depuis que Christine est partie? Non, ne prononce plus ce nom devant moi. Pardonne-moi, c'est vrai, tu n'as pas besoin de ça, ça non plus d'ailleurs. Non, ce que je croyais, c'est que tu n'en souffrais plus. Laisse-moi te regarder. Oh, je suis content de voir que tu es toujours le même. Tu n'as pas de chance. Est-ce que tu t'es vu avec ton nez si vilain qu'on dirait une banane? Oh non, banana split. Je devrais quand même apprendre à me taire, moi. Bon, mais ce n'est pas pour mon nez que tu es venu me voir, bien sûr. Non, Flabber. L'opéra de Paris n'existe plus, il a brûlé. Et moi, je n'ai plus aucun endroit où aller vivre. Oh, ne t'inquiète pas. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. Oui, je crois bien que je vais me plaire ici. Oui, je suis d'accord, mais pas plus de 2 jours, hein. En réalité, je voudrais rester le temps de finir le nouvel opéra que je compose. Un nouvel opéra? Oui, dédié à la femme que j'ai le plus longtemps aimée, Christine. Oh. Je cherche le calme absolu pour me concentrer. Personne ne doit apprendre que j'habite ici, et même pas ces 4 monstres avec lesquels tu vis ici. Chut, je vais te laisser seule, hein. Je vais retourner à l'office. Rapporte-moi à boire. Je pense que ça va inspirer mon génie musical. Génie musical. Oh, c'est affreux. Comment je vais faire pour couper tout ça? Avec du plasmato ketchup, ce sera fantastique. Qu'est-ce que Alors ça, c'est un joli plat dans lequel je vais planter mes dents. Oui, j'y ai droit à chaque fois. Oui, c'est amusant. Non, voilà, je vais vous parler. Non, on écoute. Nous avons un important invité. Il va rester avec nous et il a insisté pour qu'on ne le dérange pas. Alors, je vous offre cet excellent sandwich. Avant, vous promettez de le laisser en paix pendant 2 jours. Qu'est-ce que vous en faites? Flabber, Joe vend des tickets pour son spectacle à l'école. Oui, elle va chanter en solo. Oui, mais si bas que les gens m'entendront pas. Quand je parie que tu as une voix magnifique. Allez, sois gentille, chante. Si t'aimes les autres, le monde sera à toi. Oui, c'est pas vrai. Si t'aimes les autres, tu trouveras. Non.
C'est affreux que tu sois obligé de partir. Je ne pourrai jamais t'oublier. Moi non plus, je ne t'oublierai pas, mon beau fantôme. Ma Christine, elle est là. Elle est enfin revenue. Oh non, c'est pas vrai. J'ai oublié mon livre de maths. Ah, ne t'en fais pas, je vais y aller. Tiens-moi ça. Jo, ta chambre est un vrai capharnaüm. J'ai rien trouvé. Elle a rangé toute la soirée. Il faut que j'y aille. Maman, on se retrouve après l'école. Si elle arrive à ressortir de sa chambre. Quoi qu'il arrive, on se voit plus tard. Christine. Christine, c'est moi. Et qui est là? Enfin, je t'ai retrouvée, ma Christine. Christine, non, non, monsieur, vous confondez. Plus un mot. Qui es-tu? Tu ne le sais pas? Oh, mais je suis le fantôme. Et toi, tu seras l'étoile de mon nouvel opéra. Je pense pas, je suis pas du tout douée pour ça. Oh, mais ce n'est pas bien grave. Grâce à ma technique, je te promets que tu deviendras la plus grande chanteuse de la Terre tout entière. Sans façon, et je m'en vais d'ici. Non, pas encore. Notre leçon est sur le point de commencer. Cherche-en une autre, ça vaudra mieux, crois-moi. Allez, écarte-toi. Es-tu prête à commencer ta première leçon? Oui, professeur. C'est le dernier numéro du Beetleborg. Donne-moi ça. On ne touche pas. Laisse-moi ranger d'abord. D'accord. Il est à moi. Non, c'est pas vrai. Lâche-le. Il est à moi. Ah, bravo. Est-ce que vous pensez que je vais passer ma journée à tout ranger? C'est bizarre, je ne vois pas Joe. T'as pas vu Joe par ici? En général, elle est là bien avant nous. Non, je n'ai pas vu. Joe, où est-ce que t'étais passé? Ah, Joe, tu as toujours l'intention de chanter au concours? Elle n'a pensé qu'à ça toute cette semaine. C'est comme si j'avais déjà commencé ma carrière à l'opéra. Mais pourquoi me la prends-tu? Qu'est-ce que tu fais avec la photo de Joe, hein? Tu parles de ma nouvelle Christine. Je parie que tu ne l'as pas entendu chanter. Tu ne l'as pas entendu depuis que je m'occupe d'elle. Je vais faire de cette petite fille la future étoile de mon nouvel opéra. Ah non, je ne veux pas. Tu dois laisser Joe avec nous. Elle ne peut pas laisser ses amis. Mais elle veut s'en aller. Tu n'as pas le droit de te servir d'elle en l'ayant hypnotisée. Qui? Moi? Mais c'est faux. Comment peux-tu penser une chose pareille? Oh. T'es sûr que t'as bien dit à Joe de venir? Oui, mais je sais pas si elle a compris. Elle s'est conduite de façon très bizarre ce matin. Bizarre? Elle a rangé sa chambre, elle a versé son jus d'orange sur les céréales et elle a essayé de griller son pamplemousse. Oui, effectivement, c'est bizarre. T'es sûr qu'elle a rangé sa chambre? Eh, vous avez vu les trois zigotos qui étaient là? Ils ont commandé la spéciale au ver de terre et ils sont partis sans payer. Non, et ils avaient quelle tête? Oh, ils étaient vraiment très très laids. Et la femme, alors, elle... Oh, enfin, si c'en était vraiment une, elle avait une sorte de masque sur la figure. Les maniavores, c'est peut-être pour ça que Joe n'est pas là.
Vous n'auriez pas remarqué une fille d'une dizaine d'années? D'une dizaine d'années? Je peux pas me souvenir de tout le monde. Je parie qu'ils l'ont enlevée. On va aller voir. Si t'aimes les autres, le monde sera à toi. Si t'aimes les autres, tu trouveras le grand bonheur. T'ouvrir aux autres t'apportera le grand amour. C'est vraiment magnifique, absolument magnifique. J'ai gagné. À la pierre casse les ciseaux. Ah, toi, t'es rudement fort. Ah, ça, je te le fais pas dire. Tiens, on a de la visite. Bon, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez? Simplement retrouver ma sœur. Allez, fichez le camp. Voyez pas que je suis occupée, moi. Disparaissez. Repose-moi. Repose-moi. Seulement quand vous me direz où est ma sœur. On l'a pas vue, ta vilaine petite sœur. Ah non. Eh ben, on vous croit pas du tout. Ah bon, vous ne croyez pas? Alors repose Jara et on vous rend ta sœur. Ah oui. Ah oui, repose-moi. Oh là là. Ça, vous allez me le payer. Je fais ce qu'il faut. Quel menteur, ceux-là. Ils veulent la bagarre. La prochaine fois, vous viendrez pas nous embêter, hein? On doit se battre. Mais tu oublies Joe? On s'en occupera juste après. Beetle Commander! Beetle Force! Yeah! Il va falloir les poursuivre. Ouais, t'as raison. Je m'en charge. Base de bataille, Beetle Force! Ils arrivent. Je suis prêt. Ils se jettent dans nos bras. Dan, en voilà d'autres. Regarde, ils se dirigent vers la ville. Oui, je vois. Je connais un raccourci. C'est bon, je te suis. On les a bien eus. Non, pas vraiment. Regarde, ils arrivent sur nous. Oh non, ils sont de plus en plus performants. Ils sont partis. Non, je crois que tu te trompes. Regarde, ils reviennent. Dépêchons-nous. Mon opéra est enfin terminé. Et toi? Toi, tu deviendras mon étoile. Et je vais t'emmener dans une grande tournée et tu lanceras mon opéra. Joe, est-ce que tu m'entends? Joe. Silence! Hé, mais c'est quoi ce tapage nocturne? Fantôme! Je veux que tu me rendes ma copine. J'emmène Chris, Joe avec moi. Et elle va chanter mon opéra. Et aucun de vous tous ne réussira à m'arrêter. Je trouve que tu t'enflammes bien vite. Oh, chaud les marrons. Ouais, mais pour l'instant, au moins, il joue pas. Non, rien. Tu as osé utiliser tes pouvoirs contre moi. Tiens, attrape, va chercher. Je m'en vais.
Oh, je me demande pourquoi il le prend comme ça, lui. Il me faut trouver un moyen de tromper le fantôme. Oh, banane. Ils sont juste derrière nous. Il serait mieux devant. Freine! La fin d'un maniavor. C'est vraiment un beau spectacle. Oh, c'est vrai, vous me trouvez très beau. Oh, qu'est-ce que tu veux, Flaubert? Je vais avoir besoin de vous. Dépêchez-vous. Le fantôme retient Joe et il veut l'enlever. C'est bon, on arrive. Tu vas chanter dans les plus grands opéras du monde. Rome, Vienne, Londres. Et ce ne sont pas ces idiots qui vont m'arrêter. Oh. Tu ne l'emmèneras nulle part, tu entends? Je voudrais que ça soit Joe qui en décide. Allez, Joe, quoi? On va le balader avec son opéra. Et moi, je dis que je veux partir avec lui. Non, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Allez, sortez-vous de mon chemin. Attendez! J'ai une petite surprise pour toi, fantôme. Fantôme. Christine, tu es revenue vers moi. J'ai justement écrit un nouvel opéra pour ton talent. Au revoir, fantôme. Reviens nous voir. Mais surtout, ne te presse pas trop. Eh, regarde, elle est redevenue normale. Mais qu'est-ce que je fais ici? Oh, c'est une longue histoire. Oui. Bon, celui-là, je vais le manger. Allez, j'ai gagné. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il me vole? Elle a gagné. Oh. C'est pas croyable, j'ai gagné le concours. C'était la reine du spectacle. Oh oui, je te félicite, Joe. Je savais que t'étais une bonne chanteuse. Non, non, Lou, chante de Lou. Elle a du talent. Mais écoute le nôtre. Messieurs, attention. Attention. Oh, pitié, non, pitié.